Chers amis, Chodesh Tov, Bezrat Hashem, et sa mère, et Kol Am Israël, Chaim Tovim Shalom, ce dimanche, lundi de mai, et le Rosh Chodesh, du mois de Iyar, Ani Hashem Rof Echa, Shiro acheté par David, Lachmi, Ayaka, par Refoua Shlema, Refoua Tenefesh, Refoua Tagouf, de son oncle Marcel Ben Yosef Ben Simona, Refoua Shlema, Refoua Tenefesh, Refoua Tagouf, que le mérite de cette étude, chaque mot de Torah, Allez, et à Refoua Shelo, Bachlama, Meirav, Sofit, Chaim Tovim Shalom, pour lui, ainsi que tous les malades d'Israël. Bezrut Ben Ishraï, on commence tout de suite ce shiur pour la paracha de Emor, paracha qui comprend d'ailleurs toutes les fêtes juives. Emor à la Kohanim, nous sommes avec le Ben Ishraï sur le verset du chapitre 24, verset 8, qui dit comme ça. Beyom HaShabbat, le jour du Shabbat, Beyom HaShabbat Yarichnu, Yarichen, Yifne Hashem Tamid Meet Bene Israël Berit Olam, nous devrons Bezrat Hashem nous présenter devant Akadosh Baruch Hu pour cette alliance éternelle, la Kdusha de Shmirat Shabbat. Écoutez bien ce que dit le Ben Ishraï, je n'ai pas encore lu, mais j'imagine déjà de quoi il parle. Omer Maran Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim, Kol Yama Nirsefa Nafsho, Shel Rabbi Ben Ishraï, Rabbeinu Ben Ishraï, toute sa vie durant, a eu un rêve, la Alot, l'Eretz HaKodesh, de monter vivre sur la terre d'Israël. Makom Shavo, Bagalut Bavel, et là où il s'est trouvé dans la Galut de la Babylonie, Beir Bagdad, dans la ville de Bagdad, It Anya Elo Eref Na Asaba. Il s'est toujours intéressé de ce qui se passait dans sa ville. Ve'ine, et voici, Bechadayemim, qu'un jour, Ichlita Tzadik a décidé, de Ben Ishraï, les Katet, Raglav, et la Alot, les Retz HaKodesh, de prendre ses affaires et de monter du jour au lendemain en Eretz Israël. Kodem Tseto, les Derech, sur la route du chemin vers Israël, Itna im Maniga Shayara, Shebechol Erev Shabbat, Shaot, Sfurot, Lifne Knesset Shabbat, Ta'atzar Shayara, Velo Tamshich, Bedarka ad Aharea Abdallah. Et donc, pour pouvoir aller en Israël, ce n'est pas comme aujourd'hui, il y a des avions, des voitures, des trains ou des moyens de transport. Mais à l'époque du Ben Ishraï, nous sommes dans les années 1880-90, eh bien, le Ben Ishraï partait dans une chaléra, une caravane avec des dromadaires. C'est comme ça qu'il se déplaçait encore à l'époque. Et c'est d'ailleurs sur ces dromadaires que le Ben Ishraï écrit une grande partie de tous ses livres si merveilleux et impressionnants. Et donc, il avait fait une condition en disant au chef qui dirigeait la caravane de s'arrêter les Shabbatot, le temps que Shabbat passe, jusqu'à la Havdala. Il lui versa l'argent nécessaire pour que tout le monde l'attende pour le jour de Shabbat. Rak aharei asherav, haishmaelit iskim letnai. Et c'est quand les Ishmaelim, donc la Shayara, la caravane arabe, a accepté les conditions moyennant de grandes finances du Ben Ishraï qu'il paya pour cela, qu'ils ont accepté en disant, ok, dès que ton Shabbat, on s'arrête tous, après tout ça fera reposer les animaux, et dès que tu fais ta Abdallah, eh bien, nous reprendrons la route pour partir ensemble. Codec. Le micro. J'ai oublié de le mettre. D'accord. Vélachen, comme ça, il a dit le Ben Ishraï. Donc, ils ont fait un esquem, et Vézéouzé. Véinek, chez Gia et Rev Shabbat. Et quand arrivé le Shabbat, Erev Shabbat, Arishon, les Mas'am. Donc, à peine ils sont sortis de la Babylonie et que, bah, ils sont arrivés en plein désert, le Ben Ishraï disait où Shabbat maintenant arrive. Oui, je suis désolé, j'ai oublié de remettre le micro. Si Rev Oto, et je suis tellement préoccupé, dès que je finis, j'arrête, je vais mettre le titre, on m'appelle, les gens sont dehors. Faites un peu de vacances aussi. Shmaïli, la Tzor qui fiche Isukamimo, le Ben Ishraï, il leur a dit. Hey, je vous ai donné de l'argent pour qu'on arrête. Shabbat va rentrer. Il faut arrêter la Shayara pour pas me laisser seul ici. On n'a pas le droit de compter sur le miracle. Et c'est où? Et t'as notamment Dubar Besviva, Mesukenet, Shodede, Darachim, Shortimba. Il est en plein désert. Il y a des brigands, il y a des scorpions, il y a des serpents. Et Chova la tête, mais Aizor Zemaer Kechol Aefchar. Et il lui a dit, oui, mais on peut pas s'arrêter ici. C'est un endroit beaucoup trop dangereux. Il risquerait d'y avoir des brigands qui nous volent notre marchandise à nous. Ashara, Mshicha, Bedarka. Et ils lui ont dit, on s'excuse. Mais on ne s'arrêtera pas pour votre Shabbat, monsieur le rabbin. Ils ont dit ça au Ben Ishraï. Pourquoi? Il dit parce que c'est un endroit dangereux. Nous, on avait convenu dans un endroit qui nous plaît. Mais étant donné que ça ne nous plaît pas, on ne fait pas. Et donc, les quelques juifs qui avaient accompagné le Ben Ishraï sont restés en arrière. À Shemesh Shaka, et le soleil se couchait. Le Ben Ishraï, avec le peu de personnes qui étaient avec lui, eh bien, on commençait à chanter en l'honneur de Dieu, l'Echad Odi Likrat Kala,
à recevoir le Shabbat Kodesh et ils se sont mis à faire le Kiddush. Les fétaïd karva knufia shodedim, là où elle shebo. Et alors qu'ils étaient dans leur tente, seuls maintenant, puisque la caravane avançait sans eux, des brigands ont pénétré la tente dans laquelle se trouvait le Ben Ishraï avec ses quelques élèves. Man iken knufia nichnas levado. Et qui est rentré à l'intérieur? Uniquement le chef des brigands qui est rentré dans la tente, seul, l'Oel, Harvo Shloufa Beyado, ma bat rabe enav. Il avait un regard cruel et une épée extrêmement longue et dangereuse dans ses mains. Arka avor shniot bodedot, yatsa avenimlat beha bevala. Mais en quelques instants, il est ressorti de la tente complètement affolé, complètement retourné. Vaharav nissim, vaharav nassim anshek nufia bepahad gadol. Et avec lui, quand est rentré donc le chef des brigands, et qu'il est rentré dans la tente, il a vu le Ben Ishraï qui faisait le kiddush avec tous ses élèves, il est ressorti avec une peur totale en lui. Ils sont remontés sur leurs chevaux, ils sont tous partis, lui ainsi que tout son équipe. Et l'amdecha kizé kochash el Shabbat, shomeret al shomrea. Rivar katav rabbeinu be'atzmo b'sifro Ben Ishraï. Alken, dans le Ben Ishraï dit comme ça, Alken, kama vechama tzrichim Israël yizaher b'kdushat haShabbat. Et donc, quand ils ont posé la question au Ben Ishraï, mais qu'est-ce qu'il a vu? Pourquoi il était dans cet état? Il a répondu, le Ben Ishraï, vous savez qu'un juif, quand vient le Shabbat Kodesh, il reçoit le Darga, le niveau de Chaya. Chaya, c'est un niveau d'âme qui est au-dessus de Neshama, et qui pénètre le juif quand il est digne de cela, et qu'il est vraiment Shomer Shabbat. C'est-à-dire que même ce qui sort de Shabbat pendant Shabbat, il fait attention que ce soit que des paroles de Kodesh, à son niveau à lui. Et il y a marqué que Shomer Shabbat, à Shomer Shabbat, tout le monde connaît ce chant. Qui est Shomer Shabbat? El Yishmerini. Celui qui est Shomer Shabbat, Dieu le protège. Le chef des brigands, avec son regard cruel qui était venu pour dévaliser tout le monde, violer les femmes, faire du mal, quand il est rentré, qu'il a vu la Kdusha du Shabbat sur le Ben Ishraï avec ses élèves qui étaient en train de faire le Kiddush, il a eu extrêmement peur. Pourquoi? Parce qu'il avait une lumière et une Kedusha sur le Ben Ishraï ainsi que ses élèves, où il s'est retrouvé comme si qu'il était devant un ange. Et eux qui ont l'habitude d'être qu'avec les démons dans le désert, ils n'ont pas l'habitude de ça. Et le chen yatsa, yatsa bevé alak de la méode, il est remonté très vite sur son cheval, il dit, faut qu'on parte d'ici, il dit, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas des humains qui sont là-bas, ce sont des anges. Il a eu très peur. Et le Ben Ishraï a dit à ses élèves de raconter cette histoire et de dire, regardez combien celui qui fait très attention à la Kdusha de Shabbat, à filou s'il est dans le désert de la vie, même s'il est attaqué par n'importe quel système, que ce soit les impôts, que ce soit machéillé, si vraiment, vraiment il se renforce dans la doucha du Shabbat, que même s'il viennent les maladies sur lui, que même les décrets viennent sur lui, Shabbat est capable de sauver les Juifs de toutes les guéoulottes. L'ishmor ota keil chata, mais à la condition où il garde Shabbat comme la lachal demande. Ki amatana azoi shel Shabbat initna ela la em davka. Car le Shabbat nous a été donné pour nous, les Juifs, justement. Et la reine, en davar yakam mizvot yoter mi Shabbat. Et c'est pour cela, dit le Ben Ishraï, que la plus belle, la plus grande et la plus merveilleuse de toutes les mitzvot de la Torah, la plus grande de toutes, c'est le Shabbat Kodesh. Veish kula ke osek batorah, ke esek haTorah. Et il dit le Ben Ishraï, effectivement, tout le monde le sait, celui qui est shomer Shabbat, qui est ilchata, ezrat Hashem itbarach, est considéré comme si qu'il levait toute la Torah dans les mains devant le Créateur du monde. Top, c'est une douche comme ça que nous ramène un peu le Ben Ishraï sur l'importance du Shabbat, de mettre une belle table de Shabbat, de nettoyer la maison en l'honneur du Shabbat. Et il nous dit bien ici que si vraiment les Juifs étaient conscients de la Kdusha, de l'importance hyper importante et efficace du Shabbat Kodesh, il est certes évident que tous les problèmes s'annuleraient, puisque même Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, si Israël était capable d'être Shomer Shabbat, de Shabbatot, eh bien la Géoula viendrait sans condition, ni sans le mois de Nissan, ni sans le mois de Tishri, ni qu'on fasse ceci ou cela, même si on est assimilé. Tout de suite, la Géoula viendrait parce qu'on serait Shomer Shabbat. C'est pour cela que vous devez savoir au moins 5 choses sur le Shabbat. La première, que quand rentre Shabbat, l'âme du Shabbat, c'est le sourire sur les lèvres de toute la famille. Pas de dispute, que de la joie. La deuxième, s'habiller avec des habits en l'honneur du Shabbat. Pas des habits de Chol, pas venir en jeans, venir en costume, comme un Khatan qui vient recevoir sa Kala, Boy Kala, Boy Kala, Shabbat Malketa. La troisième chose, que les mets soient vraiment les meilleurs mets, que le pain soit fait par la maîtresse de maison, Be'ezrat Hashem Yitbarach, que vraiment il y ait du poisson, de la viande à manger selon les moyens de chacun de nous. Ensuite, Be'ezrat Hashem Yitbarach, que le jour du Shabbat,
qu'on soit dans nos prières concentrés à ne pas parler chas v'shem avec les voisins, qu'on soit la bête à Knesset. Il y a un remes qui est fait dans la parasha de Kedushim. Et shabbatota et tishmeru. Vous garderez mes shabbats. Vet migdashi, migdasha et tirao. Et vous aurez peur. Migdasha et migdashi, mazé. De mon bête midrash, de mon bête migdash. Akadosh Baruch Hu nous dit, faites attention. Le Shabbat, c'est le jour où on se retrouve tous ensemble. C'est le jour où personne ne travaille. On va à la Bet Knesset. Il dit, Shabbatota et Tishmeru. Quand vous êtes Shomer Shabbat, Bet Mikdashi Tiraou. Quand vous allez dans ma Bet Knesset, Tiraou, faites attention. De quoi? Dimanche, ou, Motzei Shabbat, tu t'assois, tu bois un café avec lui. Une synagogue, c'est pas un Bet Café. Et la dernière chose, la cinquième, l'étude de la Torah. D'être en famille, de faire des divrei Torah, de partager cette Torah avec de belles histoires. Et celui qui fait ça, vous verrez que malgré toutes les difficultés qui viennent taper à sa porte, c'est pas lui qui a été Shomer Shabbat, mais en réalité, c'est le Shabbat qui le garde chaque jour et chaque nuit, quand il dort ou quand il est éveillé, et ne voit pas tous les obstacles qui sont devant lui. L'ange du Shabbat, c'est la meilleure maman pour le peuple d'Israël. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Et ce shiur, bien entendu, comme vous l'avez bien compris, je l'ai dit au début, on n'a peut-être pas entendu, a été acheté par David Lahmi Ayakar pour la Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf de son oncle Marcel Ben Yosef Simona, qui a besoin de voter Elim. Il est dans une situation de grande faiblesse, en espérant Be'ezrat Hashem Barar que le mérite de cette étude, la Kdusha du Shabbat et la Shmira du Shabbat, le mérite du Ben Yishraï Be'ezrat Hashem Yagen Alav Ve'alechem, et surtout aussi à tous ceux qui nous soutiennent. Bracha Ve'atzlacha, Kol Tuv, Echodesh Tov Esameach.